cette conférence. C'est la deuxième conférence internationale sur la sur les matériaux avancés avec des applications photoniques pour les capteurs et aussi pour l'énergie. Organisée par l'Association marocaine de physique des matériaux avancés et de leurs applications, en partenariat avec 5 universités, dont 3 marocaines, l'Université d'El Jadida, l'Université de Casablanca et l'Université d'Agadir, et aussi avec 2 universités françaises, l'Université d'Angers et l'Université de Lyon. L'objet de cette conférence, c'est justement de permettre aux chercheurs et aux doctorants de prendre connaissance de l'état de l'art dans le domaine des matériaux avancés et surtout de prendre contact avec des chercheurs confirmés à travers le monde pour établir des relations bilatérales et des relations de recherche à l'avenir. Quand on voit là, photonics, donc ça veut dire tout ce qui concerne l'optique, et donc par exemple, tout ce qui est micro, les écrans plats, les écrans de vos d'appareils photo, des téléphones portables, tout ça c'est lié à la photonique. Le sensing, c'est très important également, puisque ce sont par exemple des capteurs qui vont permettre de voir s'il y a des polluants dans l'eau, ou si dans l'atmosphère il y a une molécule qui est négative, qui est nocive. C'est très très important de réussir à aller vers des capteurs qui vont permettre de détecter à vraiment des niveaux très bas ces molécules qui peuvent être nocives pour l'environnement. Et les énergies renouvelables, tout ce qui est photovoltaïque, c'est absolument crucial aussi. Au Maroc, vous avez la chance d'avoir un pays où il y a énormément de soleil, donc c'est un potentiel pour vous de pouvoir fournir de l'énergie à partir du soleil. Donc ça, tout ça, ce sont des applications qui sont étudiées et dont il y a quelques spécialistes ici qui discutent. Présentation, c'était surtout pour les applications des oxydes et des nanoparticules pour le solaire et pour l'environnement. Comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité et notre pays il est dedans, donc il souhaite toujours donc développer ces thématiques pour la recherche à venir au Maroc.